Merci. Comment va ton pied, David? Ça va. Et les gars, on s'est donné rendez-vous ici? Ok. David, j'aimerais bien qu'on parte seul à seul. Il n'y a pas de secret entre mes amis et moi. Donc tu peux bien parler. Ok. Je suis vraiment désolé pour ta blessure. Je sais que tu as entrepris des démarches auprès d'une avocate et quelques joueurs sont avec toi. Et tu sais, je ne suis pas n'importe qui dans ce pays-là. Je peux accepter qu'on aille au tribunal. Mais personnellement, je trouve que ce n'est pas la meilleure solution. Comme on dit, un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. Alors, je te conseille de retirer ta plainte. Ça va s'arranger. Tu verras. Passe me voir au bureau demain matin. On va régler ça. Merci beaucoup. Merci. Et surtout, n'écoute pas les oiseaux de mauvais augure. Ça va aller. Hein? Oh. Calme-toi, ça va aller. Je savais que j'allais te trouver ici dans un état lamentable. Hein? J'ai appris votre altercation avec Lucie et Rita. Geneva, il faut que tu te calmes. Hein? Tu sais, cette affaire risque de t'amener très loin. Allez, calme-toi, ça va aller. Hmm? Okay. Osez me faire ça. Osez cette photo de moi, Geneva. Il me le paiera, je te jure. Calme-toi. Ça va s'arranger. Hmm? Ça va s'arranger. Hmm? Hmm? Ok. Hmm? Je t'en prie. Hmm? Tu sais, je t'ai toujours dit de te méfier de Arnaud. Hmm? Il n'est pas du tout clair. Hmm? Il est dans des affaires louches. Pourquoi est-ce que tu refuses de voir la vérité en face? Hmm? Regarde-toi. Tu es une grande dame. Hmm? Tu as de la valeur. Tu mérites l'amour d'un homme qui t'aime de tout son cœur, hein, et qui saura te combler. Hein? Geneva. Mais je suis là, ok? Tout va s'arranger, compris? Hein? Mais Virginie, pourquoi tu as pris ça? Tu sais très bien que si l'avocat de ton mari apprend ça, elle ne sera pas contente de toi. Et puis, le président n'a jamais tenu parole. Et surtout toi, David, si tu retires ta plainte, tu es un homme mort. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si on ne prend pas l'argent, sa jambe risque d'être amputée. Mais peut-être qu'en réalité, ça vous arrange qu'il le soit. Oh, non. Quoi? Non. Mais pourquoi tu veux parler ainsi? On souhaite seulement un bon traitement pour notre camarade. C'est faux. Avec son absence, ça vous fait un concurrent. Pour nous, l'essentiel, c'est qu'il retrouve l'usage de sa jambe. Crisor, calme-toi. Hein?
Nous militons tous pour la même cause. Vraiment? Ouais. Et nous devons reculer pour voir plus clair dans cette histoire-là. Hein? Et puis, Maître Kodjo ne serait certainement pas venu si nous n'avions pas entamé des poursuites. Ah oui, effectivement. Ou bien les gars? Ça, c'est vrai. Hein? Avec l'aide de Maître Sana, nous allons aboutir. Franchement, ah ouais. Ça va aller. Ou bien, ouais, on espère. Ouais. On reste une famille. Ok. On reste une équipe. Ouais. C'est ça. Comme toujours. Ouais. On reste ensemble. Ok. Ouais. L'union fait la force. C'est ça. Frère et sœur. Ouais. Mais écoutez, vous n'allez pas partir comme ça. Il manque votre signature là. Ah là, ça c'est vrai. Ouais, c'est déjà fait. C'est ça. Ouais. Ça y est. Ouais. Voilà. Attends. Fais un gros bichet. Quel petit? Celui qui vient là. C'est la tête comme ça. Dans la tête quoi. Ouais. Voilà. Là tu nous as fait perdre bêtement 20 millions comme ça. Vraiment. Écoute, je te permets pas de m'insulter. Hein? Est-ce que c'est clair? Vous voulez m'entraîner dans une situation qui va me conduire directement en prison? C'est ça non? Et puis je vous dis, je suis pas un trafiquant de drogue. Que ce soit clair pour vous deux. Mais attends, qui t'a dit que c'est toi qui allais te transporter la drogue? Hein? Hein? Nous on avait un plan tout tracé pour ça. Il fallait juste prendre l'argent et on disparaissait. Voilà. Mais vous auriez pu me dire ça avant. Ouais. Toi, tu es vraiment une bombe à retardement, quoi. Tu réfléchis toujours à reculons. Hein? Pourtant, tu as joué tout le jeu jusqu'à la fin. Ouais. Madou même croyait que toi, là, tu vivais aux États-Unis. Je te jure. Mais ça allait te permettre de voyager facilement et puis avoir un peu de sous, quoi. Je vois. Ça veut dire que mon passeport et mon visa ne sont pas encore prêts. C'est ça. Regarde-lui, là. On te parle des États-Unis d'Amérique et toi tu parles de Schengen à côté là. Hein? Mais c'est là qu'on allait prendre un peu d'argent pour payer le type de passeport. Voilà. C'est l'argent que tu as donné là, tu crois que ça suffisait non? Dans ce cas, remboursez-moi donc. Remboursez-moi. Oh non, calme-toi, calme-toi. On est en train de t'expliquer la situation. Ouais. Ah, little girl, moi j'ai faim. Oui, c'est vrai. Mais il y a un resto juste à côté là. Ouais. C'est qu'on n'a pas de l'argent. Dis, Madi, tu pourrais nous avancer encore un peu d'argent? On te rembourse, hein, sûr. Sûr, vraiment. Little John, tu oses me demander de l'argent encore après tout ce que vous m'avez fait? Pardon, Madi. Tu oses? Pardon. Hein? De toutes les façons, on va se retrouver au célibatorium. Est-ce que tu as bien compris? Oh, tu sois quitte devant moi. Des escrocs comme ça. Wata, wata. Tu sais que lui, il est un parfait pont. Allons manger. Tu as l'argent? C'est moi. Hey, vois ça, vois ça. Maître Catherine, David le footballeur et sa compagne sont là. Très bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Bonjour. Comment vous vous sentez ce matin? Ah, disons que je m'approche, quoi. Ouais, ça va aller. Vous n'auriez pas dû accepter de prendre l'argent. Cela va remettre beaucoup de choses en question. Nous avons vérifié les papiers. Ils sont tous faux. Ah bon? Oui. C'est pas vrai. Nous le tenons. Il le sait. Après le procès, vous allez rentrer dans vos toits et vous faire soigner correctement. Ce que vous allez gagner pourra même vous faire opérer en Europe. Excusez-nous, maître. Nous n'y avons pas réfléchi. Ce qui est fait est fait. Mais est-ce qu'il vous a fait signer une décharge? Non. Rien du tout. C'est bon. Il est toujours dans les mailles. Ok. Vraiment, merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Ok, on y va. Ok. Voilà, au revoir. Bonne journée. Alors, merci. Soyez-vous bien.
Ça, c'est pour moi. Oui, ça, c'est pour vous. Merci. Avec Fouchette. Toi, ton plat là, c'est bien. Hein? Donne-moi un peu. Il fallait commander la même chose. Mais comme je ne sais pas ce que tu as en poche, je ne peux pas me permettre de commander comme ça. Non, attends, il faut qu'on se dise la vérité. Chacun est venu pour manger ce qu'il veut. On t'a donné le menu, non? Allô? Ina, c'est encore moi, tonton Béoussou. Est-ce que tu vas enfin me foutre la paix définitivement? C'est quoi ton problème? Toi et moi, on n'a rien à se dire, tu m'entends? On n'a rien à se dire, je ne vais jamais discuter avec mon bourreau. Tu comprends? Écoute-moi bien, Gaoussou Daoudi. Si jamais tu recomposes ce numéro, je te fais coffrer pour harcèlement. Tu comprends? Et tu verras ce que tu verras. Maître, il y a un problème. Excusez-moi, Catherine. Non, c'est rien, ça va. C'est sûr que ça va? Oui, ça va aller. J'espère que votre fils n'est pas menaçant. Non. C'est rien de grave. Ok. Donc, bonne journée. Merci. Quand même. Au moins un morceau de viande. C'est ça, tu viens là. Voilà. Non, toi, tu n'arrêtes pas de m'étonner, quoi. Donc, tu avais l'argent. Moi, je t'ai toujours dit, mange et tais-toi. Je gère là. À Ouaga, ici, tu vas jamais mourir de faim. Bon, je vais mon plat. Je vais pisser et je le vais. D'accord. Toi et moi, on n'a rien à se dire. Ah si, écoute, il faut qu'on parle de Dieudonné. Qu'est-ce qu'il a, mon fils? Notre fils, je suis son père. Va te faire foutre. Écoute, Ina, je suis son père. Et je le prouverai, j'ai les preuves. Des preuves? Tu sais là où tu peux te mettre tes preuves? Tu peux te les mettre là où tu sais. Ina, écoute, ce que je dis est bien vrai. Non, je ne suis pas fou. Dieudonné est bel et bien mon fils. Je le prouverai. Écoute. C'est quoi qu'on vient ici? Dépêche-toi. C'est quoi? C'est quoi? Quoi ça? Hein, tu es rassasié, non? Allons-y. Mais donc tu n'as pas l'argent? L'argent? Défense, je gère là, c'est quoi? Hé, hey, monsieur, mon argent! Hé, hey, monsieur, mon argent! Au voleur! Ça va et toi?
Mais on dirait que toi, c'est pas le grand jour, hein, tu fais une de ces têtes. Ça va pas. Tous mes ordinateurs sont virusés. Je suis dans de sales draps actuellement. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? S'en fout, le technicien me dit qu'on a été sûrement victime d'un sabotage. Mais là, on va faire comment? Je ne sais pas. La seule solution, c'est de changer les dixtures. Là, tu me rassures, hein, parce que tu sais, si ça ne se passe pas comme prévu, moi, je suis mal barré. Mais oh, tu veux pas que je te file un peu d'argent pour... Non, ça va. C'est sûr? Oui, ça va aller. Ça va aller. Je pense que bientôt, les affaires vont reprendre, ça va aller. Ok. Tu vois, non? Seigneur, on va se démarcher un peu, faire un peu et tout, tu laisses ta pire, tu vois. Bonjour. Oui, bonjour. Non, ça va. Nous, on va marcher un peu, histoire de découvrir un peu les gens. Allez. Alex, mon pote. J'ai remarqué que tu es devenue fréquente ici, hein. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Tu sais, c'est la première fois que je tombe amoureuse. Amoureuse? De qui? Comment de qui? De Johan, bien sûr. Tu vas quand même pas me dire que tu n'as rien remarqué. Arrête ta comédie avec moi. On se connaît très bien. Je sais que tu continues de sortir avec Kwasi. C'est vrai. Mais mon amour pour Johan est plus fort. Toi, Maëva, tu es amoureuse de tous les hommes. Et insatiable. Je vais te dire quelque chose. Johan, c'est un mec sensible et fragile. Donc fais très attention à ce que tu fais avec lui. Parce que j'ai pas du tout envie qu'il souffre. Il s'en remettra pas. D'accord? Bonjour, mamie. Ah, Ina, bonne arrivée. Mamie, il faut que je te parle. Et je t'écoute, ma petite. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Gaussou. Gaussou? Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe encore? Il me harcèle, mamie. Il m'a menacée. Il dit que Dieudonné est son fils. Je ne sais même plus quoi faire. Ça a fourlé. Gaussou, il continue à te tourner autour. Il aura de mes nouvelles, celui-là. Mamie, il veut récupérer Dieudonné. Quelles sont ces imbécilités? Il est bête, non? C'est lui le père de l'enfant? Ne te laisse pas déstabiliser par cet individu. Dieudonné est le portrait craché d'Alex. Seulement, il a pris mon teint. Calme-toi, nous allons régler ça entre nous. Surtout, n'en parle pas, Alex. D'ailleurs, je vais en parler à ton père. Calme-toi. Sache que tu es la mère de Dieudonné. Tu dois assumer. Seule la femme connaît le père de son enfant. Gaussou a oublié ton papa. Il va régler ses comptes encore. Ma copine, je te jure, ton gars est tombé en faillite. Je te jure, le nouveau cyber qu'il a inauguré. Tu es obligé de nous faire signe. Son cyber là est fermé. Tu veux parler d'Alex? Bien sûr. Il est tombé en faillite, je te jure. Alex? Oui, on m'a soufflé que toutes ses machines sont en panne. Ah? Oui. Il me semble qu'il est allé acheter de vieilles machines. C'était recouvert de nouvelles coques, mais c'était des vieilles machines. C'est et voilà. Pas vrai. Il voulait flasher quoi. Est-ce que tu comprends? Il est tombé en faillite. Voilà, c'est l'entretien de Lucie qui lui manque. Je te jure. Mais il n'a rien vu d'abord. Laisse. Il va chier plus que ça. Je te fais confiance. Il va porter même chaussettes de caca là, de son caca. Il n'a rien vu, mais il s'amuse avec moi. Ouais, hein? Tant qu'il ne va pas revenir ici, Marthe, parole de Lucie, hein? Se mettre à quatre pattes là.
les deux mains derrière, ouais, dans son dos, pour me dire, Lucie, ma chérie, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Ah. Regarde, cette faillite-là, ça va lui servir de leçon, ma copine. Comment tous les deux Sylvain peuvent avoir des problèmes comme ça au même moment? Malheureusement, c'est le cas. Hein? Et il va falloir de nouveau changer tous les dixtures. Je suis sûre que tu n'avais pas un antivirus assez puissant. Comment tu peux dire des choses comme ça? Mais allez bien réfléchir. Moi, je pense qu'il y a une maîtresse derrière cette histoire. Il va falloir maintenant trouver de l'argent. Mon nouveau beau alors, qu'est-ce qu'il devient? Comment va-t-il? Toi aussi, Gaoussou, ça souffre pas de questions. Il est adorable et il me couvre comme un bébé. Ah, si tu dis qu'il est bien, moi je te demande d'être sage aussi. Sois plus sage. Arrête, toi aussi. Là, c'est le dernier des coups. Tu vas te dépêcher. Tu sais, Adam, il y a des choses que je... Laisse ça, c'est bon. C'est bon. Et puis, il sent bon déjà. Tu sais que je commence à flasher pour lui aussi. Hé, ma copine. Ça a fourré. Ça a fourré. Ça a fourré. Tu vas attraper lui là aussi. Est-ce que je dis que je vais l'attraper? Je dis, il est bon. Il sent bon en tout cas. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais Gaoussou, c'est le dernier au top. Hein. Je ne vais pas m'hasarder. Tu ne vas pas me dire que jusque-là, tu n'as pas pris une assurance? Je voulais faire les choses bien, tu vois. Donc, je voulais prendre une assurance, tout risque, quoi. Maintenant, c'est arrivé. Allah, tu m'étonnes vraiment. Pour quelqu'un de ton niveau intellectuel, comment tu peux faire des choses comme ça? N'oublie pas que Yohan s'est porté garant pour toi auprès de la banque. Dépose-moi ici, parce que toi, quand tu commences comme ça, là, je sais où ça va finir. Si tu ne veux pas m'aider là, laisse. Ou bien, laisse tomber. Écoute, Alex, tu es mon mari, tu sais très bien que je ne peux pas te laisser comme ça. Mais si je le dis, c'est pour que tu prennes des précautions utiles pour les prochaines fois. D'accord? J'ai compris. Bien. On va régler ça. Merci beaucoup. En tout cas, si on fait des bénéfices, je vais te rembourser. Ok, il n'y a pas de problème. On va rentrer. Assez tout. Viens débarrasser la table.